Salutations, salut, salut à tous mes amis, à tous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Je pense que le son est bon. Si c'est bon, vous pouvez me faire signe pour que nous commencions notre live d'aujourd'hui. Bien sûr, je l'avais annoncé à 22 h, mais mes excuses, vaut mieux tard que jamais. Notre thème d'aujourd'hui, comme je l'ai titré, nous allons voir, nous allons comprendre en fait les noms de Jésus et Christ. Donc nous l'avons intitulé Notions sémantiques et historiques sur les noms Jésus et Christ. Donc Jésus-Christ, c'est-à-dire nous allons comprendre l'historicité ou bien l'origine du point de vue sémantique, c'est-à-dire, quand je dis sémantique, la sémantique est une branche de la linguistique qui étudie, je dirais, la signification des mots. La signification des mots, donc tout ce qui est mot, tout ce qui est étymologie, c'est la sémantique en fait. Donc l'objet de notre live d'aujourd'hui, c'est nous allons voir l'origine, donc nous allons lier, donc c'est-à-dire je vais lier l'origine des noms de Jésus-Christ, de Jésus et Christ, donc Jésus-Christ, avec l'histoire, c'est-à-dire la sémantique et l'histoire du mot ou bien des noms, c'est, je dirais, c'est lié en fait. Quand nous étudions l'origine d'un mot, c'est lié avec sa sémantique, avec son étymologie, avec sa signification. Donc, je pense que c'est clair. Si vous m'entendez bien, vous pouvez me faire signe sur le bas des commentaires. Je pense que le son est bon. Donc, nous pouvons démarrer notre live d'aujourd'hui. Donc, j'attends vos commentaires si vous m'écoutez. Donc, je pense que ça fonctionne. Voilà. Signalez-moi si c'est bon. Le son est bon, nous pouvons commencer à propos de notre thème d'aujourd'hui, notion sémantique et historique sur le nom Jésus-Christ et Christ, donc Jésus-Christ. Je pense que c'est bon, le son est bon. J'entends les commentaires, je ne sais pas si ça fonctionne, parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo hier sur la notion du mariage, je vais les commenter après que j'ai fini ma vidéo. Donc, bon, de toute façon, je pense que le son est bon. Si personne ne signale, nous pouvons débuter notre live d'aujourd'hui. Bon. Je vous rappelle, le titre est Les notions sémantiques et historiques sur le nom Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand je parle de la sémantique est une branche de la linguistique, d'une langue, de la langue, qui étudie la signification des mots, l'étymologie, tout ce qui est lié je dirais même à l'origine de ces mots-là. Donc, la sémantique est liée, à ce que j'ai compris, avec l'historicité, avec l'origine de ces mots-là. Vous voyez, donc quand nous lisons, quand nous étudions, nous essayons d'étudier l'origine. Merci beaucoup, ma sœur Judith Moulopo. Quand nous étudions l'origine d'un mot, nous étudions directement sa sémantique. Parce que c'est comment? Comme je l'ai dit, la sémantique, c'est une branche de la linguistique qui étudie l'étymologie, donc la signification, les synonymes, tout ce qui va avec. Voilà. Jésus-Christ. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut aussi intervenir, il peut toutefois m'envoyer, ou bien elle peut toutefois m'envoyer une demande pour qu'on partage à propos de cela. Voilà, nous allons parler de Jésus-Christ, hein, du point de vue sémantique et origine de ces noms-là. D'où vient le mot Jésus-Christ? Et puis la signification, et puis tout ce qui va avec. Merci. D'entre les jeunes, nous devons comprendre que le nom Jésus-Christ, quand nous disons Jésus-Christ, hein, bien sûr, c'est en français. Mais il faut savoir que quand nous disons les Français,
Le français a un soubassement aussi. Le français, la langue française a, je dirais, comme on dit en anglais, un background, c'est-à-dire un arrière-plan. Donc le français n'est pas, comment, n'est pas né comme ça, comme une génération spontanée, non. Le français tire ses origines de la langue latine et du grec. C'est pour cela même le français est classé parmi parmi les classes. Quand on classe le français, on dit que le français est une langue gréco-latine. C'est-à-dire, les mots français, quand je parle le français comme ça, il y a des mots grecs et latins, principalement. Donc, le français est une langue gréco-latine. Donc, ça vient du grec et du latin. Donc, quand nous disons Jésus-Christ, bien sûr, c'est en français. Mais les mots-là, Jésus et Christ, n'est pas forcément français. Ce sont des mots qui viennent de langue, en fait. Donc, c'est-à-dire, le nom Jésus-Christ, c'est-à-dire cette dénomination, est un mélange de l'hébreu et du grec. De l'hébreu et du grec, nous allons le démontrer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, ce mot-là vient de l'hébreu et du grec, mais plus du grec. Comme vous le savez, je pense pour beaucoup, Jésus-Christ, la Bible a été fondée, comme je l'ai mis aujourd'hui sur mon poste, que la Bible, l'esprit de la Bible est truffé est émaillé par la culture grecque. La culture grecque, en fait. D'ailleurs, même la première Bible est appelée la Septante. La Septante, c'est-à-dire, c'est, comment je peux le dire, je vais même publier même un post là, tout de suite là, que la Septante veut dire la traduction selon la pensée grecque. Selon la pensée grecque qui a été imposée par le roi Ptolémée Ier Sotère, qui était le premier roi quand les Grecs ont colonisé l'Égypte, qui a imposé, en fait, aux Juifs qui étaient hellénisés, c'est-à-dire qui avaient la culture grecque, de traduire la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament en grec. Vous voyez, d'ailleurs même quand vous voyez, quand on parle même d'Adam et Ève, les jardins d'Éden avec la pomme là n'est pas anodine, n'est pas au hasard, la pomme là, c'est un esprit grec qui est lié à la mythologie grecque avec les jardins des Hespérides qui étaient caractérisés par ces pommiers, les pommes, tout cela. Vous voyez, donc, on comprend directement que la Bible a une culture grecque déjà, la pensée grecque. D'ailleurs, même quand nous lisons les cinq livres de Moïse, dit de Moïse, n'hésitez pas à poser des questions. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont des noms, bien sûr français, mais ce sont des noms qui viennent du grec. Là, c'est juste entre parenthèses, quand nous allons entrer dans notre vie du sujet, nous allons parler de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, nous allons voir la sémantique et l'historicité de ces mots-là. Voir de Jésus-Christ, ces dénominations-là. Voilà. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ est un mélange de l'hébreu et du grec. Plus du grec. OK. Mais n'oubliez pas, quand nous parlons du grec et de l'hébreu, il y a aussi un soubassement. C'est-à-dire un arrière-plan. Parce qu'il faut savoir que l'hébreu et le grec a aussi leurs fondements, leurs origines aussi, qui vient de l'Égypte. De l'Égypte, de la Mésopotamie. Quand je parle de la Mésopotamie, je vois Babylone, Assyrie, Akkad, Sumer. Donc vous voyez, donc l'hébreu et le grec tirent aussi leurs origines aussi d'autres langues, entre autres l'Égyptien. Quand je dis l'Égyptien, vous voyez les hiéroglyphes, tout cela. Et Sumer, tout cela, même l'Ancien Testament, comme je l'ai dit toujours, vous pouvez être d'accord ou pas, mais comme je l'ai dit toujours, que le livre de la Genèse, à partir de son chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, ce sont des récits mésopotamiens, en fait. Ce sont des récits mésopotamiens que les scribes et hébraïques ont modifié, voilà quoi, dans l'esprit hébraïque. Mais l'arrière-plan, c'est la Mésopotamie. D'ailleurs, même on dit avec Abraham, le patriarche, en fait, je dirais le père de la foi, Abraham venait d'où? En Chaldée. Chaldée, c'est la Mésopotamie, en fait. C'est-à-dire l'actuel Irak, sud de l'Irak, en fait. Ou en Chaldée, c'est-à-dire Sumer, sud de l'Irak, c'est-à-dire sud-est de l'Irak. Donc, vous voyez que pourquoi je dis tout cela?
par rapport à Jésus-Christ. C'est pour nous faire comprendre que nous étudions la sémantique, c'est-à-dire la langue et l'historicité du nom Jésus-Christ. Je voulais vous démontrer que le nom Jésus-Christ, bien sûr, c'est en français, Jesus Christ en anglais, mais ça vient du grec et de l'hébreu, mais plus du grec. Et pour les Grecs, sur ses origines, des langues égyptiennes, sumériennes, tout ça, même l'hébreu aussi. Ok, maintenant, entrons dans notre vif du sujet. Nous allons parler de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'origine de ce mot-là, la sémantique, en fait, de ce mot. Nous allons essayer de comprendre d'où vient le nom Jésus-Christ, comme c'est en grec. Voilà. Ce que nous devons comprendre, mes chers amis, est que les mystères messianiques, quand je dis messianique, nous voyons directement Christ. Parce que quand nous parlons du Christ, nous voyons directement Messie. Donc, Christ est un synonyme du mot Messie. Messie. Christ est Messie. D'ailleurs, même, Christ est un mot français, bien sûr, mais ça vient du grec. Christos. Quand on dit Christos, Christ, Christos. Mais Christos, là aussi, quand je vous ai dit que, bien sûr, en grec, mais ça vient de quelque part. Donc, ça vient de l'Égypte antique. Christos, Christ, ça vient de l'Égypte antique avec ce qu'on peut, on peut appeler K-R-S-T, Karast, Karest, en fait, Kérésite, qui réfère, en fait, qui est lié à la question de la fabrication de la momie, qui a trait à Osiris. Vous voyez, dans le Messie, en fait, Osiris, en fait. Donc, Karast, K-R-S-T, qui donne Christos en grec. Vous voyez, Karast, Karast, qui avait trait à l'enterrement, à l'ensevelissement, à la mise en caisse, en copte même, K-R-S-T, K-R-S, donc l'enterrement. Donc, en Égypte antique, quand nous parlons du Christ, nous voyons Karast, Karast, c'est-à-dire, c'est la fabrication de la momie. Quand quelqu'un meurt, en Égypte, c'était la coutume, en fait. On enterrait quelqu'un, on les liait, en fait. On la momifiait, en fait. C'est-à-dire que la personne, on la momifiait. Donc, c'est lié à Osiris. Karest, en fait, est Christ, qui donne le mot Christ, en fait. C'est ce que nous devons comprendre, parce que nous sommes en train d'étudier la sémantique. L'origine du mot, tout cela, les synonymes. Ok. Nous avions dit tantôt que Christ est aussi Messie. Quand on dit christique, ou bien, on peut dire aussi messianique. Christ ou bien Messie. Mais il faut savoir que le mystère messianique remonte en Égypte antique. Donc tout ce qui est lié à Jésus-Christ, que nous connaissons du point de vue... En fait, ici, ce que je veux que nous comprenions est que je suis en train de parler non de la personne de Jésus, en fait. La personne de Jésus, voilà, l'homme de 33 ans, tout ce que vous voulez. Mais je parle juste de la sémantique, de mots, en fait. Jésus et Christ. Donc, les mystères messianiques, mystères christiques, remontent en Égypte antique. En Égypte antique, on connaissait déjà ce que nous connaissons actuellement avec Jésus-Christ. Comme on dit, rien de nouveau sur le soleil. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, en Égypte, on connaissait le mystère messianique avec le terme Messu, c'est-à-dire M-E-S-U, qui renvoie à oindre, au verbe oindre. Quand on dit Messu, M-E-S-U, oindre en Égypte antique, c'était lié à celui qui est oint, à celui qui a l'onction. Comme on dit en lingala, oh bah pakolié en fait, c'est l'huile, en fait, l'huile, l'onction, l'huile, celui qui est oint, en fait, celui qui a l'onction. Messu. Ce qui donne en fait Messie en français, qui en hébreu donne Mashiach, quand on dit Mashiach, les Mashiach, dans les Messie, dans Mashiach, Messu, oindre en Égypte antique, qui donne Messie en français, qui donne en fait. Mashiach en hébreu, donc celui qu'on noie en fait, qui renvoie aussi au mot hébraïque Mashiach. Mashiach qui veut dire celui qui est oint. Donc celui qui est oint. Donc nous voyons ici que le mot Messie, ou bien le mot Christ plus le mot Messie, n'est pas un apanage, n'est pas une exclusivité d'une personne quelconque en fait.
Voyez, donc c'est un nom, je dirais, c'est un nom fonction. C'est un, comment je peux dire, je dirais, c'est un qualificatif en fait. C'est une épithète qu'on qualifie quelqu'un qu'on doit oindre. Un Messie qui doit venir. Le Messie en fait. Ça peut être moi ou vous ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc, quelqu'un qu'on oint, quelqu'un qu'on donne l'onction, quelqu'un qu'on confère un pouvoir à faire par rapport à son onction, par rapport à sa mission. Quand vous lisez même dans Ésaïe chapitre 61, on dit Christ, en fait, comment le prophète Ésaïe prophétise, dont l'évangéliste, l'évangile de Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui parle, en fait, et dont l'Esprit du Seigneur l'a oint. L'Esprit du Seigneur l'a oint, en fait. C'est-à-dire l'a oint, qui va se réaliser. C'est une prophétie qui va se réaliser avec Jésus-Christ. C'est quand vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 4. Donc, vous voyez. Donc, Messie, Messou, en Égypte antique, oindre, qui donne Messie, Mashiach, celui qui est oint, ou bien Mashiach. Quand on dit Yeshua à Mashiach. Donc, c'est-à-dire, Jésus, le Messie. Le Messie, comme je vous ai dit, ce n'est pas une hostilité d'une personne quelconque. Comment je peux dire, c'est un titre en fait. C'est une fonction qu'on confère à quelqu'un qui doit accomplir une mission quelconque. Je pense que c'est clair. Là, nous parlons du Christ ou bien du Messie. Je parlais du Christ. Je vous ai démontré qu'il s'agit de l'Égypte toujours. Car reste qui est lié à l'enterrement, à l'ensevelissement, à l'inhumation, à la mise en caisse dans un cercueil, la momie qui rappelle en fait Osiris. Ok. Donc nous avons compris que les mystères messianiques remontent en Égypte antique, comme on dit, rien de nouveau sur le soleil. Depuis l'Égypte déjà, on connaissait déjà ces principes de Messie, avec Messou qui veut dire oindre, qui donne Messie, en français, Mashiach, celui qui est oint en hébreu, ou bien Mashiach. C'est pourquoi on dit Yeshua HaMashiach. Donc, c'est-à-dire, en français, Jésus, le Messie. Ah, c'est le Messie Mashiach. Mashiach, ou bien Messias, le Messie, celui qui est oint. C'est un épithète, en fait. C'est un qualificatif qu'on a donné à Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ. Continuons toujours dans cette même lancée avec toujours Messie. Donc, nous parlons de Messie, en fait, le mystère messianique qui remonte toujours en Égypte. Nous pouvons aussi le comprendre quand nous parlons de la sémantique, l'origine des mots, voilà, la linguistique. Dans messianique, nous voyons M-E-S. Mes qui veut dire fils, jeune homme ou bien prince. Messie aussi, Messie qui veut dire aussi fils qui émerge, prince vainqueur, fils de. Donc nous voyons ici que quand nous comprenons tout ce qui est lié au mystère messianique qui remonte en Égypte, nous comprenons que Messou, oindre, Messou aussi, qui donne prince messianique de la paix, né dans les montes à Memphis, dans les cultes de Ptah. Ptah, en fait, c'était Osiris, ou bien le dieu, en fait, créateur, le dieu qui a créé, en fait, les montes. Vous voyez. Donc, nous comprenons ici que Messou, en Égypte, a été pris en compte comme le prince messianique, bien sûr, le prince qui est loin de la paix. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Vous voyez, c'est lié avec la paix. Le roi de paix, en fait, le prince de paix. Vous voyez, donc ça remonte en Égypte avec Messou. Donc nous voyons qu'avec l'étude des mots, avec la sémantique, avec, comment je peux le dire, l'étude des mots, nous comprenons en fait ce qui veut dire, en fait, nous allons comprendre directement qui était Jésus-Christ. Là, je m'arrête seulement dans la sémantique, dans l'étude des mots, dans toute son historicité. Vous voyez, donc Messou, messianique, en fait, Messou, qui veut dire oindre, ça remonte de l'Égypte antique, Messou, avec deux S, qui signifie prince messianique de la paix, né dans le monde à Memphis, dans les cultes de Ptah. En fait, Memphis, c'était la capitale, si je ne m'abuse, de la
De la Basse-Égypte, la Haute-Égypte, la capitale était Thébès, Thèbes, et la Basse-Égypte était Memphis, dans les cultes de Ptah. Donc en Égypte, dans plusieurs contrées, il y avait des cultes en fait. Vous voyez, donc mais, ce qui concerne en fait Mensou, c'était à Memphis dans le culte de Ptah, Ptah qui était le dieu créateur en fait. Mais Mensou qui était le prince messianique de la paix, était, je dirais, les fils en fait de Ptah, parce que nous avons vu que Mensou, qui veut dire fils, jeune homme, prince de paix, les fils qui émergent, les princes vainqueurs, les fils d'eux. Vous voyez, c'est pour cela qu'on relie Jésus-Christ et le fils de Dieu. Vous voyez, donc nous comprenons directement que le terme Christ et le terme Messie, nous l'avons déjà compris, donc celui qui est oint. Donc directement, on peut les lier indubitablement, indiscutablement, avec les mots Jésus. Jésus. Donc, on ne peut pas parler de Christ sans pour autant parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans pour autant parler du Christ. Donc, c'est intimement lié. Là, nous sommes dans la sémantique. Nous étudions le mot, en fait. Donc, ça nous permet de comprendre directement la mission de Jésus-Christ dans la Bible, en fait. Donc, nous comprenons. En fait, c'est-à-dire, là, on ne peut plus être dans les discussions, oh, Jésus-Christ a existé ou pas. Juste le mot, en fait, parce que le mot est une fonction, le nom est une fonction, en fait, qu'on confère à quelqu'un. Donc, nous avons compris le sens de Christ, Jésus-Christ, qui, en hébreu, on dit Yeshua, HaMashiach. Donc, nous avons compris que Christ et Messie, c'est intimement lié dans celui qu'on oint. Quand je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de Jésus sans Christ, on ne peut pas parler de Christ sans Jésus. Ok. Maintenant, parlons de Jésus. Jésus, en fait, qui est grec aussi, qui vient du grec. Mais qui vient, comme je vous ai dit, avec Christ, Christ, Christos, qui ramène à Karas, K-R-S-T, qui vient de l'Égypte, qui réfère à Osiris. Jésus aussi vient du grec. Yesu, mais qui remonte aussi en Égypte toujours. Quand je vous ai dit que rien de nouveau sous le soleil, nous allons le voir ici. Bien sûr, Jésus que c'est Yeshua. Bien sûr, quand nous parlons de Jésus que nous voyons le christianisme qui remonte au judaïsme avec Jésus, enfin Yeshua qui était juif, mais qui est aussi un soubassement égyptien, parce que tout commence en Égypte à propos de ces cas d'espèce de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici, quand nous disons Jésus, bien sûr, c'est en grec, en français, en grec. En hébreu, on parle de Yeshua. Yeshua qui veut dire, qui vient de la racine Yasha. Yasha qui veut dire sauveur. Celui qui sauve, en fait. Celui qui sauve son peuple. C'est pour cela, quand Marie était enceinte, quand il a vu la visite, la visitation de l'ange, de l'ange Gabriel, Gabriel l'a salué, salut Marie, voilà, vous connaissez la suite, et puis tu auras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, donc Yeshua en fait en hébreu, donc celui qui sauve, donc Dieu sauve, donc celui qui va sauver son peuple, qui va sauver son peuple en fait. Donc c'était la mission de Jésus, la mission de Yeshua. Pourquoi? Parce que les noms déjà, quand on te donne les noms, on te confère directement à une mission. Les noms, c'est comme une prophétie en fait. Quand on te donne les noms, on te projette directement au futur. Donc ton nom, c'est ton identité. Ton nom, c'est ta mission. C'est pour cela, chez les Juifs, bien sûr, même dans les traditions africaines, on ne blague pas avec les noms. Quand tu donnes les noms à quelqu'un, à ton enfant, c'est comme si tu prophétises en fait, tu prophétises dans sa vie. Le nom est très important parce que c'est son identité. C'est pour cela même Dieu n'a pas de nom. Vous voyez, parce que Dieu n'a pas de nom, il est le nom. C'est pour ça qu'il s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Donc je suis celui qui sera, donc je serai celui qui sera, donc ayez à chair, ayez. Donc il est le nom, c'est pour cela que Dieu n'a pas de nom, il n'a que d'attributs, on ne donne que d'attributs. C'est pour cela, s'il te guérit, on dit Jéhovah Rapha, s'il te donne la victoire, Giovanni ici, ma bannière, tout ça, est-il que nous te rend justice? Vous voyez? Donc, tout cela, par rapport à Dieu, Dieu n'a pas de nom, il n'a que d'attributs. Mais nous, en fait, des créatures, les hommes, les humains, nous avons des noms. Donc, nos noms sont des projections définitives. Nos noms sont nos identités, en fait. Sont,
sont comme si nous, nos fonctions, quand on te donne les noms, c'est ta fonction en fait. On te dit ton nom, comme avec Jésus, comme on parle de Jésus, Yeshua. Donc, sa mission était de sauver son peuple, Yeshua. Donc, celui-ci s'appelle Yeshua. Donc, sa mission ici sur terre, quand il est venu, il n'y a pas d'autre mission, c'est juste de sauver son peuple. Je suis venu sauver mon peuple. C'est sa mission, en fait, c'est lié avec sa mission. Vous voyez, donc Yeshua, donc Yasha, sauveur. Continuons. En Égypte antique, comme je vous ai dit, les sauvés, en fait, venaient dans le monde par l'eau. Vous allez me demander, mais Kalinga, quand tu dis l'eau, c'est-à-dire quoi? N'oubliez pas que en Égypte, la chose la plus importante, c'était le Nil, le fleuve Nil. C'est pour ça qu'on dit que le Nil est un don d'Égypte. Donc, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. C'est pour cela qu'il devait se conférer toujours au fleuve Nil, qui était en fait le symbole, le signe de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. Le Nil. Vous voyez? Donc, Jésus, en fait, en Égypte, et venait dans l'eau, donc le sauveur venait dans l'eau, dans le monde par l'eau, il pourrait être représenté par les poissons. Par les poissons. Vous voyez, en Égypte déjà par les poissons. C'est pour cela, vous verrez même que dans la Bible, avec l'histoire de Jésus, tout se passe au bord de l'eau. Il prend ses apôtres, qui étaient pour la plupart des pêcheurs. Il a dit, je vous ferai les pêcheurs d'hommes, les pêcheurs. Plusieurs miracles en fait étaient référés avec l'eau. Il a dit à Pierre d'aller prendre, comment pour payer l'impôt à César, dans la bouche du poisson en fait. Le dernier miracle, le miracle des 153 grands poissons. Il y a eu la tempête, il a calmé la tempête, il était au bord d'un bateau. Donc vous voyez, il s'est fait baptiser dans l'eau, les grands poissons, tout ça, même Jourdain, le mot Jourdain, Yared Noun en hébreu. Yared, c'est descendre, et Noun, ça fait référence aux poissons. Donc Jésus-Christ, c'est les grands poissons en fait. C'est les grands poissons qui descendent en fait. Qui descend et ressuscite, c'est-à-dire c'est le baptême en fait. C'est l'ensevelissement, comme nous avons parlé avec Charest et Christ. Vous voyez, donc tout ça moite, tout ça se rime en fait avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Christ. C'est impossible. Et puis vice-versa. Continuons. Donc, comme je vous ai dit que Yeshua, en Égypte, le sauveur, venait dans le monde par l'eau, il pourrait être représenté par les poissons. La Bible en parle avec Jésus, les grands poissons. Rien de nouveau sur le soleil. En Égypte, déjà, on connaissait déjà tout ce que nous lisons dans la Bible avec Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'était le salut par l'eau. En Égypte, périodiquement, dans les nouvelles âges du Nil. Vous voyez, parce que le Nil était la richesse, le symbole de la prospérité, de l'abondance de l'Égypte. C'est pour cela que le Messie, le Sauveur, devait venir par l'eau pour apporter l'abondance, la richesse. L'eau même est le signe de l'abondance qui est liée avec les poissons. Même dans les zodiaques, astrologiquement ou bien astronomiquement, les poissons sont liés avec la richesse. La richesse, l'abondance. Ok. Par rapport toujours à Jésus, Yeshua, en Égypte, on faisait aussi référence à Horus. Horus, comme vous le savez bien, était le fils d'Osiris, qui était l'incarnation d'Osiris, en fait, qui est symbole du soleil. Le nom d'Horus qui a donné à heure, horizon, hour, tout ce qui est lié au temps, le soleil. Qui était en fait le sauveur par l'inondation toujours. C'était le prince de la paix, on l'appelait Yoemotep. Donc celui qui vient avec la paix. Donc il était fondé sur le principe de celui qui vient toujours. Messou, donc merci. Donc, celui qui vient toujours, c'est-à-dire, il viendra toujours. C'est pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Jésus-Christ vient, Jésus revient bientôt. Bien, oui, il venait déjà, il va venir, il continuera toujours à venir. Ici, on parle des cycles, le cycle du temps. On parle du temps ici. Il vient toujours, il viendra toujours. Depuis en Jésus, il vient toujours. C'est le cycle, en fait, du soleil qui tourne en fait, c'est lié au zodiaque. Voici ce que nous devons comprendre en fait avec Jésus. Jésus revient bientôt. Il va venir, il était déjà venu, il est venu et puis il viendra toujours.
Voilà, parce que c'est lié au temps. Toujours Jésus, quand je vous ai dit Jésus en grec, Yeshua, Dieu sauve, je vous ai démontré ici. En Égypte, même le mot Jésus, quand nous parlons de la sémantique, l'origine du mot, la linguistique, Jésus vient de Youssas, Youssou ou bien Youssa, qui veut dire le fils qui vient toujours. Le messie de l'inondation, de l'abondance par rapport au Nil, qui fait référence au poisson. Vous voyez? Donc, Youssa, Jésus, le fils qui vient toujours. Il vient toujours, il viendra toujours avec l'abondance, avec la richesse, avec la prospérité. Donc, voilà ce que je devais vous partager par rapport à Jésus-Christ. Donc, notre thème d'aujourd'hui était les notions sémantiques et historiques de nom Jésus et Christ, donc Jésus-Christ. Donc rien que par l'étude de ce mot, nous avons compris même la mission de la personne, mais du personnage de Jésus-Christ dans la Bible. La vidéo va rester sur mon mur. C'était votre ami et frère Kalinga Lider Makéo, quand j'aime bien m'appeler bientôt, l'âge d'or, 33 ans. À nous revoir la prochaine fois. Bon début de semaine à toutes les personnes, que la paix soit dans vos maisons. Que Dieu vous garde. Bye, à nous revoir la prochaine fois. À bientôt.